Kate et William, cette grande soirée qui les attend avec George, Charlotte et Louis. Kate et William ont eu 3 enfants. Le prince George a désormais 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans. Tous les 3 aiment encore profiter des fêtes populaires, malgré leur statut royal. Halloween est donc une soirée à ne pas manquer pour les enfants. Selon l'Express, il est fréquent que Kate et William emmènent leurs enfants à la chasse aux bonbons. Il y a quelques années, Kate Middleton a été aperçue en train d'acheter des costumes pour ses enfants chez Sainsbury's. La princesse était accompagnée du prince George et de la princesse Charlotte, mais également d'un garde du corps pour assurer leur sécurité. Je n'ai pas vu ce qu'elle a acheté. La dame qui m'a dit qu'elle avait des enfants avec elle, et qu'elle leur demandait ce qu'il allait être pour Halloween. Confie un témoin à People. Le 31 octobre, les enfants célèbrent chaque année Halloween. Au palais de Kensington, la famille a déjà été vue, sur la caméra de sécurité d'un voisin, en pleine chasse. Avec les enfants déguisés, la famille royale participait à une collecte de bonbons à Londres. Même s'ils n'ont jamais publié de photos. Sur leurs réseaux sociaux, Kate Middleton accompagne volontairement ses enfants pour obtenir des bonbons. En 2023, Hello Magazine avait publié une photo de Kate et de ses 3 enfants à la quête de bonbons. Pour tous ceux qui doutent que William et Kate ont les pieds sur terre, voici Kate et leurs enfants qui frappent à notre porte à Londres pour la chasse aux bonbons d'Halloween, avait légendé l'auteur. La famille a du temps pour se reposer pendant les 2 semaines de vacances de la Toussaint. Selon les informations de la correspondante royale Rhiannon Mills, Kate Middleton et William ont pu aller avec les enfants dans leur résidence en May Hall, à Norfolk. Pendant les vacances scolaires, s'y est-il du temps en famille? S'y est-il réservé au temps en famille? Il n'y a aucun engagement public. Et s'y est-il ce qu'ils veulent faire? La famille a très bien pu également rester à Londres pour permettre à Kate Middleton de se reposer après la fin de sa chimiothérapie. Le prince William part la semaine prochaine en voyage solo au Cap, en Afrique du Sud, pour assister à la remise de prix Earthshot.